Alors, on revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de notre série que je vous ai parlé déjà dans l'autre vidéo. Donc, l'autre vidéo, on a fait le granola maison. Aujourd'hui, on va faire les dattes farcies Enrobées de chocolat noir. Je précise bien que c'est healthy, donc c'est de la cuisine saine. De fait, on a besoin d'amandes hachées. Qu'on a haché et qu'on a torréfié. Donc, pour ces amandes-là, on va faire une petite pâte avec de l'eau de fleur de rose. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, hein. L'eau de fleur d'oranger, l'eau de géranium, tout ce que vous voulez. Moi, je préfère l'eau de rose. Et on a des dattes qui sont dénoyautées. On a dénoyauté les dattes. Par exemple, on peut faire 200 grammes de dattes. En plus de ça, on fait 200 grammes d'amandes hachées. Moi, c'est un appareil que j'utilise. C'est un appareil à fondue, normalement, en fondue au chocolat. Mais moi, je l'utilise pour faire fondre mon chocolat. Alors, je vais entre-temps déclencher mon appareil. Je vais le laisser fondre tranquillement. Et je vais venir ajouter petit à petit l'eau de rose. Je mets pas de sucre, hein. Donc c'est bon. Moi ça me convient comme ça parce que je vais mettre un chocolat. Il a bien fondu comme vous le voyez ici. On le voit bien. Donc je le laisse au chaud comme ça pour qu'il reste bien liquide. Ok, entre-temps, on va prendre une datte. On va la fourrer. J'ai pas voulu avoir vraiment la sensation de pâte-pâte. J'aurais voulu avoir quelque chose qui reste croustillant et tout. Donc, je vais prendre comme ça. Je vais terminer toutes les dattes que j'ai. On se reverra après. Donc voilà nos friandises qui sont. J'en ai ouvert une. Voilà. De l'intérieur. Ça. Ça, c'est de l'extérieur. J'en ai décoré avec un petit peu de décorant alimentaire. C'est des paillettes alimentaires. Donc, voilà. Merci, merci à tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cette deuxième vidéo de série de trois vidéos, je vous avais dit. Donc, vous attendez la troisième normalement, la troisième vidéo. Un bon ramadan à tous une autre fois et merci de regarder cette vidéo et n'oubliez pas surtout, surtout, surtout de vous abonner pour m'encourager. Merci déjà pour vos encouragements, ça me fait chaud au cœur que vous m'encouragiez à faire ce que j'aime, à m'avancer encore plus et plus. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook, donc au nom de ma page Univers Yousra. Le groupe aussi. J'espère pour vous tous une bonne journée et merci à tous. Au revoir.